Alors, nous voici dans la quatrième et dernière partie de notre cours gratuit pour réaliser ce joli petit lapin. Alors, si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as pas visionné la partie 1, 2 et 3, je te mets les liens dans la description pour que tu puisses visionner le cours de peinture dans le bon ordre. Sache qu'il y a aussi dans la description le lien pour télécharger le document d'accompagnement de ce cours dans lequel tu vas trouver les photos de référence à télécharger ainsi que toute la liste du matériel qui est utilisé pour réaliser ce projet. Je rappelle une dernière fois que ce cours est un exemple de cours typique que tu vas retrouver dans l'abonnement du Passionné, qui est un abonnement de l'armoire dans lequel tu as accès à tous les cours de peinture en ligne de la plateforme. Donc plein de beaux projets comme celui-ci à réaliser, dans lequel là, je t'aide en t'enseignant plusieurs techniques, plusieurs astuces, et tu vas pouvoir te pratiquer tout en étant accompagné à l'aide de démonstrations et d'explications là, pour pouvoir te perfectionner dans ta technique. Je te mets aussi les liens pour nous y rejoindre dans la description. Maintenant, passons aux choses sérieuses, donc la dernière partie. Aujourd'hui, on travaille sur les moustaches de notre lapin et on va également terminer, faire la finition, donc peindre le contour de notre toile. Pour les moustaches, là, je n'ai pas filmé l'étape dans laquelle je fais mes mélanges de couleurs, mais tu vas voir, c'est très très simple. Donc, je te montre à l'écran ce que je me suis fait comme mélange de couleurs. Donc, à partir simplement du gris de pin, du noir d'ivoire, du terre d'ombre brûlé et du blanc de titane. Je me suis fait des variantes. Dans le fond, j'ai repéré sur ma photo de référence quelles couleurs semblaient se retrouver dans les moustaches de mon sujet. Donc, j'ai repéré des variantes de presque blanc, de beige plus pâle, de beige brun plus foncé et de gris et de noir ou presque noir. Donc, c'est pour ça que j'ai été me créer 5 petits mélanges différents qui vont me permettre de travailler les variantes de moustaches que j'ai vues. Encore une fois, si tu utilises comme moi pour ce cours de la peinture à l'huile soluble à l'eau pour aller fluidifier notre peinture afin de bien étirer nos traits pour faire de belles moustaches, on va utiliser tout simplement de l'eau. Et si tu utilises de la peinture à l'huile traditionnelle, ça va être exactement la même façon de procéder. C'est juste qu'au lieu d'utiliser de l'eau pour aller fluidifier tes couleurs, ça va être du liquin pour détail fin que je te suggère d'utiliser et ça va donner le même résultat. Donc là, tu vas comprendre pourquoi je disais dans la partie précédente que c'est important d'attendre que notre lapin soit complètement sec avant de faire les moustaches, c'est que les moustaches sont de longs traits qui doivent être fins et précis. Donc, pour la majorité du monde, ça prend un bon appui sur la main pour être en total contrôle sur notre geste, pour avoir une belle précision dans le geste. Sinon, ce que ça va faire, c'est que tu vas avoir des moustaches qui ne seront pas droites, qui vont avoir beaucoup... On va sentir le shake dans le geste, dans le trait de la moustache. Et aussi, si tu appuies trop, donc si tu perds un peu le contrôle sur ta position et que tu appuies trop sur le pinceau, c'est que le trait va être beaucoup trop large. Parce que là, on veut de toutes petites moustaches très très fines. Parce que si tu les fais trop larges, ce que ça va faire, c'est que le regard va juste être attiré par ça. C'est ça qui va sauter aux yeux en premier quand on va regarder la toile. C'est aussi pour ça d'ailleurs que c'est important de respecter les bonnes couleurs. Et tu remarqueras que ici, je n'utilise pas le pinceau Sword Liner. Lorsque j'ai besoin de faire des longs traits assez précis comme ça, je préfère aller chercher vraiment un pinceau très noir. C'est peut-être une question que pour l'instant, je ne suis pas assez habituée à utiliser le Sword Liner.
Mais je trouve que le pinceau traînard comme ça me donne beaucoup plus de maîtrise et de précision sur mes traits. Donc, c'est une question de préférence pour moi. Il se peut que pour toi, ce soit différent. C'est tout à fait correct. Donc, tu utilises le pinceau là, avec lequel toi, tu as le plus de contrôle sur ton geste. Idéalement, tu commences avec les moustaches qui sont le plus en arrière, donc c'est le même principe que pour faire les poils, et tu finis avec celles qui sont le plus sur le dessus pour que tes traits passent par-dessus toutes les moustaches précédentes que tu as été faire. Si parfois tu fais un trait et que tu te rends compte que bon, c'est pas tout à fait la bonne couleur, il ne paraît pas assez, le contraste n'est pas assez fort, tu peux te reprendre. Donc là, tu fais un peu plus attention à ton geste et tu y vas plus lentement également pour essayer de repasser le plus possible par-dessus le trait que tu as déjà fait. Mais sinon, laisse le trait là, puis refais tout simplement une autre moustache plus claire ou plus foncée, ce qu'il faut en fait là, presque au même endroit, puis l'effet naturel va se faire parce que de toute façon, tu vois que notre sujet a beaucoup de moustaches. Donc c'est pas grave si t'en fais une ou deux de trop, mais on essaie le plus possible d'avoir la bonne teinte du premier coup. Donc c'est pour ça l'importance d'aller te préparer plusieurs variantes de couleurs là, en mélange de peinture avant tout. Une fois que tu crois que tu en as assez, que ça te semble complet, remets ta toile dans le bon sens si tu l'as tournée comme moi. Prends du recul, observe bien, compare avec ta photo de référence, vois s'il y en a certaines vraiment évidentes qu'il te manque. Mais encore là, on n'est pas dans l'hyper-réalisme, donc ce n'est pas obligatoire d'avoir exactement le même nombre de moustaches et qu'elles aient exactement la même forme. Donc, si tu juges que pour toi c'est assez puis c'est très bien comme ça, ben tu le laisses comme ça. Une fois que les moustaches du museau sont faites, on a quelques poils, je sais pas si on peut appeler ça des cils, qui doivent être faits plus longs également. Donc, on va aller travailler ça de la même façon exactement que ce qu'on a fait pour les moustaches.
Et voilà, notre sujet est complété. Donc, on a vraiment terminé notre petit lapin. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de signer la toile. Et ça, c'est pour ce qui est du devant de la toile, bien sûr, parce que il va nous rester le contour à faire. Là, je me suis rendu compte que j'aurais dû, étant donné que je le savais que le contour de ma toile, je voulais le faire foncer, j'aurais dû, dès le départ, à la première étape, lorsqu'on a préparé la base de notre toile et qu'on a appliqué la couleur beige-brun en peinture acrylique, j'aurais dû aussi faire les contours. Parce que, étant donné que je veux les faire foncer et que là, mes contours sont blancs, ça va me prendre plusieurs couches avant d'être opaque. Donc là, on va venir rectifier la situation. Je vais prendre du noir en peinture acrylique avec un pinceau qui fait environ un pouce. Donc, je te rappelle que moi, je suis sur une toile galerie, donc qui fait à peu près un pouce et demi d'épaisseur. Et je viens appliquer de la peinture acrylique noire sur tout mon contour, en faisant attention de ne pas aller toucher à ma peinture à l'huile. Donc, tu vois que je laisse un tout petit espace entre mon rebord que je suis en train de peindre à l'acrylique et le dessus de ma toile qui est maintenant couverte en peinture à l'huile. Parce que tu le sais, on ne peut pas mettre de peinture acrylique sur de la peinture à l'huile. Le but de faire ça, c'est que là, mon noir à l'acrylique va sécher beaucoup plus rapidement et je vais pouvoir, là, ensuite de ça, venir faire mon contour en peinture à l'huile et être opaque. Donc, ne pas avoir besoin de faire plusieurs couches en peinture à l'huile pour mon contour, parce que si tu fais ça, c'est que ça va te prendre plusieurs jours, parce qu'il va falloir que tu attendes que chaque couche sèche avant de pouvoir faire la suivante. Et là, tu vois que j'ai quand même assez liquéfié ma peinture, donc j'ai ajouté de l'eau dans ma peinture acrylique, ce qui fait qu'elle est assez translucide. J'ai fait ça pour la même raison que je l'ai faite aussi lorsqu'on a préparé la surface de la toile dans la partie 1, c'est pour être sûr de pouvoir appliquer ça en couches minces et de ne pas laisser de traces de pinceau, de relief de peinture. Donc ça va te prendre deux ou peut-être trois couches d'acrylique pour avoir un effet opaque, tout dépendant à quel point tu l'as fluidifié, donc elle devient translucide. Mais l'acrylique, tu peux accélérer le séchage là, avec un séchoir à cheveux, si tu veux, là, entre chaque couche pour passer à la couche suivante. Quand tu as passé au moins deux fois partout et que c'est presque opaque de façon parfaite, là, on laisse ça complètement sécher. Et ensuite, on va venir faire notre couche finale de peinture à l'huile. Là, moi, j'y vais dans la même logique pour que ça s'agence bien avec les couleurs que j'ai utilisées pour l'arrière-plan de ma toile. Donc, je vais simplement faire les contours de la couleur gris de peigne. Donc, je ne vais pas me créer de mélange, là. Je prends vraiment la couleur gris de peigne telle qu'elle. Je pense toujours, étant donné que je suis en peinture à l'huile soluble à l'eau, à imbiber mon pinceau avec un peu d'eau pour que ma peinture glisse bien sur la toile. Et là, je porte attention à vraiment m'assurer qu'il y en ait partout. Donc là, je viens bien remplir la petite partie que j'avais laissée libre entre la peinture acrylique et la peinture à l'huile, donc la jonction entre le dessus de la toile et le côté de la toile. Là, je fais très attention pour faire mes traits le plus droit possible. Et je remplis le reste de la surface avec ma peinture à l'huile en lissant ma peinture pour qu'on ne voit pas mes coups de pinceau. Donc, on n'en applique pas très épais, on y va de façon mince. C'est pour ça qu'on a été préparé en noir, en peinture acrylique avant. C'est pour être capable d'appliquer notre peinture à l'huile en couche mince et qu'elle soit opaque. C'est ça qui va nous donner le plus beau fini, le résultat le plus parfait possible pour les contours. Si jamais tu juges que tu as vraiment besoin d'aller faire une deuxième couche, eh bien là, tu vas devoir attendre que le contour de ta toile sèche complètement et revenir faire une deuxième couche.
Et voilà, notre toile est cette fois-ci complètement terminée. La seule étape qui va nous rester à faire, bien, c'est de la protéger parce qu'on veut qu'elle dure dans le temps, on veut que les couleurs restent belles, on veut la protéger contre la poussière, contre un éventuel accident qui arriverait et pour protéger la peinture d'une graphine ou quoi que ce soit qui viendrait frotter sur la surface de la toile pour pas que ça l'abîme notre peinture, donc on va aller appliquer un vernis. Je n'ai pas filmé cette partie parce que ça se fait à l'extérieur, mais j'ai une vidéo sur la chaîne YouTube qui te montre comment est-ce que je fais. Pour ma part, j'utilise tout le temps pour toutes mes toiles le vernis en aérosol Camar de Krylon. Donc c'est un vernis à retoucher qui te permet de vernir ta toile aussitôt qu'elle est complètement sèche au toucher, sans attendre là, le 6 à 12 mois de temps de séchage pour appliquer un vernis définitif pour peinture à l'huile. Donc ça te permet vraiment de pouvoir vernir beaucoup plus rapidement tes toiles et c'est une très bonne qualité de vernis aussi. Alors voilà, donc c'était ça le beau cours gratuit que je vous offre avec grand plaisir. Donc j'espère que vous allez réaliser ce beau projet-là. Si c'est le cas, ben, écrivez-moi pour me partager les photos là, de vos œuvres terminées. Ça va me faire plaisir de voir ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou me rejoindre par courriel sur le site de l'armoire aussi. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre. Et si vous voulez avoir accès à plus de cours comme celui-ci pour soit simplement vous amuser ou pour perfectionner votre technique, et je vous recommande de venir nous rejoindre dans le passionné. Vous allez avoir instantanément accès à plusieurs cours de peinture en ligne comme celui-ci, dans lesquels je vous accompagne du début à la fin. Donc je vous souhaite une bonne création et on se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt!